Salut, c'est Claire, bienvenue sur la Côte Ouest. Aujourd'hui, je suis chez Christian qui va nous montrer un geste zéro déchet dans son exploitation agricole. Christian Asquet, producteur de lait à Gungat, donc en conversion bio. Et on va parler de, comment dire, des lavettes en coton pour le nettoyage des mamelles en préparation à la traite des vaches laitières. Pendant quelques mois, on utilisait des lavettes en papier, donc des lavettes jetables. Qui produisent énormément de déchets et qui en plus coûtent énormément d'argent. Donc on est passé aux lavettes en coton, aux lavettes individuelles, lavables à la machine. On pratique les lavettes tissus, donc individuelles pour chaque vache, depuis 20 ans déjà. Disons que les avantages sont multiples. Déjà, en termes de qualité de travail, à mon avis, on a un meilleur nettoyage de la mamelle de la vache avant de brancher la machine. Donc il faut savoir que la qualité du lait vient de la propreté de la mamelle, donc déjà il y a un avantage. Surtout, ça évite de jeter des papiers qui sont juste un peu salis. La lavette va s'utiliser pendant des années. J'utilise à peu près un jeu de lavette par an pour 150 vaches, hein, ce qui représente très peu de dépenses. Et surtout, évidemment, ça évite de produire des déchets. Quoi. Ça peut-être vous faire sourire. Bah, enfin, oui, il y a un inconvénient, il faut les mettre à sécher, soit sur la pelouse ou au fil éventuellement. Donc il y a tout petit inconvénient, mais bon, je suis assez regardant sur toute forme de dépense, et le temps étant une forme de dépense, il n'y a strictement aucune perte de temps. En termes économiques, c'est pratiquement une économie on n'est pas loin de 1000 euros par an, ce qui est conséquent pour un troupeau de 150 vaches laitières. C'est un mode de fonctionnement. Par exemple, on a un système d'alimentation ultra simplifié qui demande très peu de mécanisation. Et notre système de production en lait est basé sur le pâturage, qui est un système extrêmement économe en énergie. Et le fait d'être en système pâturant avec des vaches qui veulent en dehors de l'hiver, systématiquement en dehors de l'hiver, on a des coûts vétérinaires nettement plus faibles que les moyennes de groupe, c'est-à-dire qu'on fait en gros 50 euros d'économie par vache. Hein, donc vous multipliez par le nombre de vaches, ça vous fait un chiffre très conséquent. Il faut réfléchir à tout, il faut avoir sa propre analyse. Il y a toujours des progrès à accomplir. Donc là, je suis à la recherche d'une lessive la plus écologique possible.